bêta. Donc, il doit faire un grand concert à Kindia aujourd'hui. C'est la première fois. Comme à Bardo Bangé, à Mona Grand, tu n'es pas va louver. Hawa, va le concert, tu n'es pas là. Il y aura un canamane. Alors, oui, il y a un nom de concert. Donc, avant de venir à Mato, moi, je vais bien. Il y a un rendez-vous à Wombe, Mangrave. N'est-ce pas? Bouba, trop, c'est trop. Après, lui, trop. Agbegbe. Non, trop, c'est trop. Agbegbe. Comme ça, en arabe, les mains, et n'a tout bêtou, à la nouveauté. Et ta lama, Abouba Mali, Abouba soutenu. N'a pas fait cause narama. N'a pas fait cause narama. Bouba du fait voler en est. Parce que culture la femme. Parce que la Guinée la femme. A femme on a déplacé à Sigam Mire, il est c'est mon fils maman. Mire, tu as mon cas, c'est mon fils maman. Mais il le fait par plaisir, par amour, par passion. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour accompagner l'enfant de Kissi, Faramaya, Fode, Kouyaté. Trop, c'est trop. Agbegbe. Il faut dire à Fode. Je lui dis quoi? N'ta Fode, attends, le quoi grand bou? Bou. Eh, non, Kolo. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à Kindia pour accompagner notre artiste qui nous dit de tout prendre pour nous, nous les femmes. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que tout ce qui appartient aux hommes là, c'est pour les femmes. C'est nous qui gérons tout. N'ta Fode, c'est tout ou bien c'est pas tout? Tout. C'est pas tout. Ouais, parce que. Vous savez, ce que nous n'avons pas compris. Merci. Quand on dit, je profite de votre micro pour expliquer parce que je suis accusé aujourd'hui. Tout ce qui reste maintenant là qu'on m'amène à la CRIEF. Je jure, les hommes on m'attaque partout. Oui, tu vas partir. Mais il y a trois mots dans cette chanson que les hommes ils n'ont pas compris. Et une seule que les femmes n'ont pas compris. Ah. Premièrement, on dit. Écoutez. Je dis qu'on m'oumé belini. Ya taïta. Et n'y a pas de bela chérie, tata sa. Deuxièmement, ben belé ni de chérie, tata sa. Troisième, maintenant, quand je leur dis que je m'en fous, moi quand même, je m'en fous. Certains aussi s'en foutent. Ah! Certains ne veulent pas comprendre ce qu'ils t'en disent. Tu comprends? Quand je dis je m'en fous, c'est que je suis prêt à te donner mon budget. Nabi disait ne m'engou. Abada keme sabama. Si je ne donne pas à la femme, que la femme, une seconde de réflexion de la femme, si l'homme avait ça en 24 heures, tu l'aurais laissé toute la vie, comme elle donne la vie. Premièrement, quand moi j'ai 300 comme budget, à quoi tu penses? Hein? J'ai une petite copine dans le quartier qui a envie d'aller se tresser. Je pense à lui montrer que je suis fort. Je lui donne ça, je suis galant. Je donne quelqu'un là-bas. Ils invitent mes amis, les crocodiles comme Djawadi. Je l'invite, on va dans le bar. On prend un verre comme ça, j'ai dépensé mes 300 sans me rendre compte. Mais la femme, tellement qu'elle réfléchit bien, quand tu la donnes 300 comme budget, il a bidisé Néou. Il m'a bidisé Halid, il a bidisé Derek Kémé Sababa. Elle pensera non seulement à la famille, aux enfants, la femme ne pensera qu'à citer la nourriture. Elle va. Moi, j'ai essayé, je ne peux rien dire, ça, essayé. J'ai partagé 5 000 entre moi et une femme, 5 000 dollars. Moi, je n'ai pensé qu'à mes instruments, aller sur Internet, acheter mes plugins.
Mais elle, elle a pensé à quoi? Elle a pensé à aller acheter les affaires, du manger pour la maison. Bon, c'est pourquoi, Bouba, quand tu as 100 milliards dans ton compte, laisse la femme gérer. Mashallah! Alhamdulillah, Rabbil Alamin! Bouba, Bouba, quand tu as 100 millions dans ton compte, laisse Ntakadi gérer. Ou bien? C'est bien Ntakadi. Tu sais comment elle va gérer ça? Non. Tu auras ta part. Oui. La famille aura sa part. Les enfants auront leur part. Je jure. Même tes amis qui t'entourent auront leur part tellement qu'elle va bien gérer. Si c'est elle qui a la gérance, je jure, tout le monde aura pour. Mais si c'est toi, tu vas penser à acheter une voiture pour la fille qui est à côté là-bas. Non, réponds encore. Non, c'est ma mère. Oui, elle se comprend. Donc, mais ce que les femmes n'ont pas compris, je me plie en 58% pour vous, parce que je suis accusé à cause de vous. Donc, c'est vous que je défends. Mais on fait tout ça pour une femme. Cela dépend de la femme, du comportement, de l'attitude et du caractère de la femme envers son homme. De la soumission. Cette femme qui est soumise à son mari mérite tout. Mais quand l'homme dit bonjour et que la femme dit je m'en fous, est-ce qu'il y a quelque chose dans ça? Donc, ni quand Moussou Mendiana, ben que ton yé, un bon yé, l'héro, un bête, il t'a. Il a deux guillemets, 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 il Hey. Il veut que je chante une de mes chansons, une de mes anciennes chansons. À voilà, ben. Il a un policier dans ça. C'est mon policier. À Colo. Ah, c'est ma première composition quand j'étais étudiant. Ah, ça, aujourd'hui, ça. On est assis ici, ma. On est assis ici, ma. On a un jabaté. Ah, quel madou yanké. Vous connaissez madou nari. Ah, quel navre. Quoi, où les policiers le baquet. Quoi, de lequel là. Hein? On avait peur de rafles. Voilà, en bon. Avant, quand on te prenait dans les rafles là, on te déposait tout doucement dans les chars de combat. Donc moi, mon grand frère, on lui a pris. Il était en bas, il m'appelle. Gévray, manière de les cala. Moi, j'ai dit, Koran, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, mais policier, les hommes de la Canada, je suis là. Ne ko kuy dala yemam li bakono wallahi jeufre ñemam li bakono mom bok roy lo idi ci cité je suis allé au lieu que moi j'ai demande pardon j'ai commencé à chanter j'ai dit un police kembolo bila ikanambolo gadi police kembolo bila nala do kanambolo gadi police ke kembolo gadi police ke Il avait ça, sa main me faisait mal gros. Parce que quand le policier l'a pris comme ça, sa main, à quoi comment qu'on a dit? Il veut mettre sa main comme ça. Calambolo Kadi. Calambolo Kadi. Mourou fois de maille, ne ramoura maille. A toi qui n'a pas de peu, mourou bon maille, verra son nom. Pas si qui ça. Ndanda ka ba ma ya diti de police ndan jo ka ba ka ti charge combat ko ndaka ba ke isa bari e kana wa deni ah je daro di karna di de ko be ma le ta ke ni jo ma ya di de ti le la mon grand frère kala toto kala e to kala su anara c'est moi qui a chanté madari inaka kala a fonne ma kidi kidi Papa Jean, Kaba. Ah, Bijan. Et t'as sur Ravlo. C'est moi qui a chanté Madari. Alors, même si tu chantes ma kiri-kiri, tu vas passer. Les policiers, mon Dieu, nous n'avons pas ça, c'est quel genre de police? Ah, vraiment. Il a mis la radio, il a raflé. Moi, ça nous a trouvé à Bijan.
Mamadi était parti là-bas. Mamadi était là-bas. Ça trouve que j'étais derrière mon grand frère, Baba Diabaté. Lui aussi, il a quitté Afria, c'était un guitariste. Moi, j'étais derrière eux. Le moment que, ce moment-là, je n'avais pas fait d'accident. D'accord, on va nous filer, filer. Mamadi n'a pas dit. Et bébé n'a pas dit, ça m'a dit. Et là, ça m'a dit, ça. Quoi là? Mamadi Kaba. Et là, ça, ça. Et là, ça, ça. Et là, ça, ça. Et c'est moi, à son kéré n'a pas dit. C'est moi qui a chanté ma tari. Alors, le policier dit, même si tu as chanté ma kiri kiri, tu vas partir. Et là, maman dit, ton gars, il a été là. Mais quand on m'a dit, maman dit, a fait 3 jours là-bas. Alpha, Sigi Sanaki. Donc, on me rêve à Colomb Matin, mon arrêt. Ah, n'a libéré à Toro. Le gars, il m'effrayait. Il riait, il rigolait quoi. Il voulait m'effrayer. C'était des gens qui venaient toujours s'arrêter, nous regarder au buffet de la gare. Okay. Donc, ils me connaissaient. C'était une occasion pour eux. Mais comme ils ont arrêté mon grand frère, ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi. Moi, je suis venu seulement. Ils disaient, je suis fou de quoi, tu copies. Mets ta bouche. L'album là n'est pas sorti. Vous n'avez pas mis ça dans vos albums. Je ne vais pas attaquer les policiers. C'est ça. Il a peur des policiers. C'est pour cela qu'il n'a pas sorti le morceau. Mais tout le temps quand je suis en aventure, je pense que pourquoi il faut y chanter tous les morceaux là. Depuis qu'on s'est quitté, ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti Polisiké? Ils aimaient beaucoup Polisiké. Je vais expliquer tout dans Polisiké. Et moi, j'ai dit, mais je me présente, dit, mais mon frère, ouais, il y a mon grand frère ici, c'est moi, fou de quoi, tu as copié. Et je vais encore le faire. C'est moi, fou de quoi, tu vas encore le faire. Moi, j'ai déjà monté, monte ici, j'en ai. Mais yo, dis-donc. Mais moi, j'ai ma carte, il ne faut pas carte. Mais où iras-tu, bébé? Quand un militaire te prend comme ça, eh, pour les gens qui ont là, ils ont un boulot, 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 ils ont. Chers téléspectateurs, c'était juste une improvisation. Nous sommes avec nos douaniers. Lui, c'est Djeli Fode Kissi Faramaya. Vous connaissez déjà. Fode Kouyaté n'est plus à vous présenter. C'est une icône de la musique guinéenne aujourd'hui. Mais il est accompagné avec Monsieur Diabaté depuis à l'enfance. On va essayer de demander à Fode de nous présenter Monsieur Diabaté qui nous a fait rire. Regarde. En présentant ta Fode, maintenant, avant on disait. Écoute, avant on disait artiste, chanteur, star, tout. Mais maintenant, non, humoriste, tout ça. Mais là, aujourd'hui, on augmente l'avocat des femmes du monde. Voilà! Il est notre avocat! En tout cas, applaudissez, ne soyez pas étonnés! C'est ça, l'association des femmes lui décrète aujourd'hui en étant notre avocat dans les foyers, en tout cas. Cela veut dire que vous n'avez pas donné assez de titres à Fode. Vous devrez lui mettre procureur de la République. Procureur, c'est sa place. Procureur, les hommes aussi viendront. Ah. Les dire qu'il est procureur, on n'a qu'à le nommer chef des artistes guinéens. Parce que d'abord... Tous les artistes qui se font voir ça aujourd'hui, je jure ce que j'ai mangé tout de suite. Lorsque Bambino était venu de Sigiri,
avant de venir, il était dans Bembea, il était nouvellement venu. C'est nous qui l'ont reçu à Feria. Nous sommes les anciens artistes. Nous sommes les anciens artistes. Il a tous encore dans le petit travail. Vous voyez, moi je quittais ici. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui ne m'ont pas découvert. Je partais au Kassa pour jouer avec les Kefis. Je n'avais pas fait d'accident. Sinon, mon accident, il n'a pas entendu. C'est aujourd'hui qu'il m'a vu. C'est aujourd'hui. Ça fait 15 ans, 16 ans. Mon accident. Moi, j'étais assis. On tirait mon chaussure à Imbaya. Le véhicule a dérapé. Venu couper mon pied sur le champ. Mon pied sautait. Lorsque j'étais nouvellement venu à Feya, c'était chez ma soeur, Madame Duno Kale. Je faisais la 10e année de passage en 11e. J'étais à Cabral. Un soir, j'étais en train de réviser. J'ai entendu le son de la guitare. Il y a un orchestre qui répétait dans le centre culturel à Diamanfouri. Le chanteur qui chantait, il sentait Salimou, mais il ne sentait pas bien. Il ne prononçait pas les malinqués bien. Moi, je me dis, attends, le chanteur ne chante pas ça bien. Et puis, Salimou, ce n'est pas la version que les orchestres chantent aujourd'hui, qui est la vraie version. La vraie version qui est venue de l'Orombo, de Salimou lui-même. Laisse-moi les apprendre à chanter. Je suis venu, la porte était fermée. Ce jour-là, c'est Biné, Mamadou Biné Kouyaté, qui s'était énervé parce que le chanteur ne chantait pas bien. Il est venu, il a ouvert la porte. Je lui ai dit, ça va mon frère, il dit ça. Il dit, je m'appelle Fode Kouyaté. Il dit, le chanteur qui chante là, il ne chante pas bien, c'était Ousmane. Il dit, j'aimerais lui apprendre comment le chanter. Et la nouvelle version et l'ancienne version. Lui, il me dit, viens, je suis... Il me prend la main, on rentre. Il va voir tout de suite Famoro Kuruma, Gabi. Il dit, Gabi, il dit, bon, Kouyaté, on a l'oubadi tangasa. Mais... C'était, excuse-moi, c'était lui le premier chanteur. Qu'est-ce que tu comprends? Djibaté est le premier chanteur, Ousmane est le deuxième chanteur. Famoro dit, mais lui, c'est qui? Moi, je me présente en disant le nom de ma sœur. Moi, je suis le jeune frère de Madame Duno Kale. Ah, Kalkali Kourouma dit, père leur âme, Gélidé Nété. Lui, c'est un enfant de griot. Si c'est le frère de Madame Duno, oui, je connais la famille de Madame Duno. En mettant le micro, je chante. Famoro dit, lui, c'est mon chanteur. On me propose la nuit là d'être chanteur. J'ai dit, hey, si moi je suis chanteur ici, mon papa va m'égorger. Je suis là pour les études, je ne suis pas là pour chanter. On me dit, non, mais Famoro a tenu. C'est que tu sois le chanteur de l'orchestre. Je me cachais. Chaque fois, je m'éclipse vers le 21h pour aller réviser. Et Dieu m'a donné la chance. J'avais mon professeur qui était l'accompagnateur, Diassi, Salifou Diassi, c'est là. Donc lui, il acceptait que je vienne répéter. Mais après, avant de venir, je venais chez lui, il me faisait reviser. Après, je vais avec lui à la répétition. On a composé des chansons comme ça, mais tout en refusant de faire partie de l'orchestre. Il se cachait. Chaque fois, il fallait que je me cache pour venir chanter. Je pense que j'ai été dévoilé maintenant par ma sœur. Tu es venu ici pour les études, donc il faut repartir. Mais on voulait juste entendre la mélodie. Voilà, quand tu étais venu, c'était quel Salimou? Ah, c'est, moi, j'ai chanté Salimou original. Quand les gens disent « Salimou Dolomoni », ça c'est... Mais Allah le nom, Daliman Salanole, Mojuba Kurila, Otaminaïna Nifa Lula, Kunuma Kerri, Amanima Kabadafa, Manima Kabadafa, Dafa, Manima Kabadafa, Manima Kabadafa,
O mani makaba da kuna oro ulinke lensa le munde fesaba ima le sere fuye ba funu sere seku ye muayala funu sere seku ila funu sere ya ba le no geli deni nula lila ibarankulu bondo ibarankulu bondo nagesu ibarankulu. Ça c'est une chanson que Salimo chantait pour lui et ses amis, et quand on dit que peut-être qu'il buvait, mais ce n'était pas comme on raconte aujourd'hui. Nos parents ont su, ont vu, c'était dans leur jeunesse, nos papas et leurs grands frères. Il y a l'enfant Bassidi qui ont vu Salimo. Il y a mes papas. Moi, mon père était un tailleur devant les PZ à Cancan. Mon papa faisait la couture pour tous les jeunes Cambrimba d'alors. Non, il y a ça, il y a 15 ans aussi que mon père chante. Moi, je me suis inspiré, mais 15 ans là, mais je me suis inspiré dans certaines conversations mélodiques entre mon père et ma mère. Oui, mais quand mon père disait, par exemple, dans la guitare, Ndemoze mere vende ye mama livurula ni mama mama sorando wankundi pom ezan zay mama mandi angiti angiti sabari angiti tini mawuru lezi. Attends, je refuse de chanter ça quand même. Pas... Non, arrêtez ça. Non, je refuse. Les deux se chantaient dans la chanson. Tu as vu? Moi, je m'inspire. C'est des bibliothèques, ce sont mes inspirations. Et je pense que mon papa, tellement qu'il a, ils ont parlé, ils ont écouté leurs parents, mais quand ils disaient une phrase, c'était au moins 500 chansons pour moi.